Salutations, c'est Cascole. On va une nouvelle fois parler de Gasland, mais cette fois-ci, je vais expliquer les règles en simulant une partie, ce sera peut-être l'idéal. Alors, j'ai créé un petit circuit comme ça. Donc, on a la ligne de départ qui est ici. On doit ensuite passer par la porte 1 dans le bon sens pour pouvoir activer nos armes déjà. Ensuite, on doit se diriger vers la porte 2 qui est là, pour ensuite avoir la porte 3 qui est un petit peu plus loin et revenir à la ligne de départ qui va servir aussi de finish. Le fait d'avoir du coup une zone où les véhicules vont passer plusieurs fois, ça devrait créer plus de chaos. D'autant plus qu'ici on est sur un mode course à la mort et donc on a deux stratégies de victoire possibles. Soit on est le premier véhicule à passer la ligne d'arrivée et là on a gagné. Soit on est le dernier survivant et là on a gagné aussi. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de faire le circuit dans le bon sens. Hein? C'est ça qui est marrant. Voilà, alors donc comme on voit, j'ai utilisé des petits plots en plastique pour délimiter certaines zones. De base, il y en a qui sont dessinés déjà sur le tapis. Dans cet exemple-ci, s'il n'y a pas le plot physiquement en plastique, il n'y en a pas. Parce que j'ai utilisé une zone un petit peu trop étroite pour faire une ligne de départ, donc on va dire qu'il n'y en a pas. Alors maintenant, on va devoir définir qui sera l'équipe qui joue en pole position. Parce que ça va définir qui va poser son véhicule sur la ligne de départ en premier. Donc je vais simplement lancer un dé. On va dire que 1, 2, ce sera les véhicules noirs, j'expliquerai après. 2, 3, 4, ce sera les jaunes. Et 5, 6, ce sera les rouges. Voilà, 4. Donc c'est l'équipe jaune, l'équipe sponsorisée par la geôlière qui posera ses véhicules en premier. Je vous montre les fiches de véhicules vite fait. Voilà, donc là on aperçoit un petit peu les fiches de véhicules. J'ai utilisé des dés verts pour indiquer les points de carrosserie, sauf là parce que je n'en avais pas assez, il fallait 10 points et j'avais plus de dés 10. Ces jetons indiquent simplement si un véhicule a déjà été activé ou pas, hein. Comme ça on le sait, une fois qu'il a joué, on le retourne, on sait qu'il ne joue plus pour cette phase de vitesse. Je vais expliquer les phases de vitesse, vous inquiétez pas. Et voilà, donc on a les capacités spéciales de chaque personnage. Alors vous l'aurez remarqué en voyant les équipes, il y a une équipe où ils sont deux, il y a une équipe où ils sont trois, et il y a une équipe où il est tout seul. Mais chaque équipe vaut 50 points. Donc on a une restriction ici, hein, c'est moi qui ai choisi 50 points pour former des équipes. Donc ces deux véhicules-là, ils font 25 chacun. Là, on est plus aux alentours de 16, 17 chacun. Je vois 19, 16 et 15. Et lui, il vaut 50 à lui tout seul. Voilà. Alors, comment est séparé, comment se passe un tour de jeu? On va voir ça après. On va d'abord positionner les véhicules sur la ligne de départ. Donc, j'ai dit que c'était d'abord l'équipe jaune, le joueur 1. Ensuite, le 2, ce sera le rouge et on va revenir au 3. Je vais me positionner près de la ligne de départ. Je vais changer d'angle, ce sera plus simple. Voilà la ligne de départ. Hein. Donc, on la voit, mais bon, elle est un peu plus large que ça. Normalement, la ligne de départ fait en largeur le nombre de joueurs. C'est-à-dire que s'il y a trois joueurs, il faut qu'on sache mettre trois véhicules de front. Bon là, c'est pas trop le cas. Le poteau, c'est OK, mais le terrain fait que non. Donc, la geôlière, donc l'équipe sponsorisée par la geôlière, va mettre un véhicule en tête ici. Donc, s'il n'y a pas de mur en plastique comme ceci, c'est qu'il n'y a pas de mur. Alors, la geôlière, ils sont trois parce qu'en fait, elle a une capacité spéciale qui fait qu'elle peut utiliser des véhicules qui vont coûter moins cher, par contre, qui seront moins résistants. Ensuite, on a dit que c'était l'équipe sponsorisée par Vernet. Ils disposent donc d'un monster truck qui est plutôt spécialisé dans le blindage et les armes largables. Par contre, je ne l'ai pas équipé d'armes largables, donc il va perdre son avantage, mais bon, c'est pas très très grave. Et ensuite, on a l'équipe sponsorisée par Mishkin qui va positionner son véhicule sur la ligne de départ. Alors, Mishkin, ils sont spécialisés dans les armes prototypes, hein, on va dire. Ce sont les seuls à utiliser les armes et les améliorations électriques. D'ailleurs, cette arme-ci est équipée d'un canon arc électrique et d'un moteur nucléaire. La deuxième est équipée d'un marteleur, c'est une sorte d'IEM qui va provoquer des pertes de contrôle autour d'elle. Sur les amis comme sur les ennemis, d'ailleurs, il faut faire attention. Ensuite, on revient au joueur 1 qui doit replacer un véhicule sur la ligne. Donc, pourquoi pas ici, derrière la Batmobile. Hein. Peut-être qu'il va se dire, bah, la Batmobile, elle devrait avancer assez vite, je devrais être tranquille. Ensuite, Miskin va venir replacer son véhicule. Disons là, je ne sais pas. Et j'ai plus le choix pour le dernier véhicule. Je vais devoir le mettre ici.
La partie va être séparée en différentes manches. Chaque manche est composée de maximum 6 phases de vitesse. Et chaque phase de vitesse est composée d'un nombre successif de tours des joueurs. En fait, une phase de vitesse, par exemple la phase de vitesse 1, tous les véhicules éligibles à la vitesse 1 vont jouer. Donc le joueur 1 va jouer un de ses véhicules, ensuite le joueur 2 va en jouer un, le joueur 3, puis on va revenir au joueur 1. S'il a encore des véhicules activables à la vitesse 1, ce qui sera d'office le cas en vitesse 1, il va les activer, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'un véhicule activable par exemple en vitesse 4? C'est un véhicule qui est au moins en vitesse 4. Donc 4, 5, 6, il peut jouer. S'il est resté en vitesse 3, il joue pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on a dit que c'est la geôlière qui commençait. Elle doit se diriger vers la porte 1. Elle se dit aussi, ouais, j'ai un mur en béton devant moi. Là, on va considérer que ça, c'est des tuyaux d'égout en béton, qui ne sont pas destructibles. Alors que les barrières en plastique, comme je vous ai montré ça, moi je considère que c'est des trucs en plastique qu'on a parfois sur le bord de la route et c'est parfaitement destructible. Voilà, certains obstacles ou différents poids, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais le béton, c'est du lourd et c'est pas destructible. Donc il se dit, si je vais tout droit, je vais foncer dedans. Mais l'équipe rouge s'est particulièrement bien placée. Si elle va tout droit, c'est elle qui va me foncer dedans parce que je vais devoir tourner, mais tant pis, j'ai pas le choix. Donc je me dis, enfin, j'ai pas le choix. On considère quand même que dès que le signal du départ est donné, les véhicules sont tous considérés comme ayant déjà passé la ligne. D'ailleurs, la ligne, je vais l'enlever. Pour une meilleure visibilité. C'est-à-dire que on peut parfaitement faire demi-tour et faire le circuit dans l'autre sens. Alors attention, la porte 1 qui se trouve ici, il faut la passer dans le bon sens pour activer nos armes. Si on passe dans ce sens-là, on n'a pas nos armes. Mais parfois, par exemple, le Monster Truck, il va plus miser sur son bélier que sur son arme. Donc il pourrait très bien se dire, ben, moi je fais marche arrière et je fais le truc en contresens pour essayer de me choper un frontal, par exemple. Ce qui va pas faire là, mais pourquoi pas. Donc là, c'est la geôlière qui se dit, je vais jouer mon fourgon, donc je place mon gabarit perpendiculaire à la face avant de mon véhicule, et on voit que je me retrouve vraiment, je risque de me retrouver au milieu de la route. Alors, je vous montre le gabarit. On voit qu'il est utilisable dans les 5 premières vitesses, on ne peut pas l'utiliser si on est en 6e. En vitesse 1 et 2, on a un bonus d'embrayage, je vais expliquer les phases d'été juste après, et en 5e, on a un malus de danger. Faut juste savoir que quand on arrive à 6 dangers, on subit une perte de contrôle et éventuellement peut-être aussi des tonneaux. Bon, maintenant qu'on a placé le gabarit, il va falloir lancer les dés. Je vais utiliser mon panier à dés. Encore que, pour l'exemple, les dés qu'on va lancer, ça c'est juste pour indiquer à quelle phase de vitesse on est en train de jouer. Voilà, donc on est en phase de vitesse là. En réalité, par exemple, ce fourgon là, il a 2 de maniabilité. Donc il lance 2 dés. Sauf que le nombre de dés qu'on lance, c'est donc de 0 à 2 dans son cas. Donc je ne suis pas obligé de lancer les dés. Comme j'ai déjà un bonus d'embrayage sur mon gabarit, je pourrais parfaitement m'en servir. Je vous explique les phases des dés. Le 1, c'est un danger. Donc, on se prend un point de danger, comme je l'ai dit, si on arrive à 6, c'est la perte de contrôle. En 2, c'est une rotation et un danger. En 3, c'est un dérapage et un danger. Et 4, 5, 6, ce sont des embrayages. Ça permet de changer de vitesse, mais si on le fait pour changer de vitesse, on prend un danger aussi. Et on peut aussi s'en servir pour annuler certaines d'autres phases de dés ou pour retirer du danger sur notre fiche de véhicule. La rotation, c'est plutôt un bonus. Ça nous permet de réorienter notre véhicule en le faisant pivoter jusqu'à maximum 90 degrés, mais si ça ne nous intéresse pas, on peut le faire pivoter que 1 ou 2 degrés. Le dérapage, c'est déjà un peu plus critique, mais on verra sûrement ça après. Donc là ici, je ne vais pas prendre de risque, je ne veux pas risquer. Quoique le dérapage, dans son cas, avec une rotation, ça pourrait le faire. En fait, avec le dérapage, si jamais il chope le dérapage, on va venir rajouter ce gabarit-là sur le gabarit, on va l'emboîter dedans et son véhicule va se retrouver là-bas. Ce qui fait que le Monster Truck ne pourra pas lui rentrer dedans. Mais bon, là, je vais juste pour expliquer qu'on peut jouer sans lancer les dés. Je me dis que je vais simplement passer en vitesse 2. En utilisant le bonus du gabarit, c'est comme si j'avais lancé un dé qui était arrivé sur la face embrayage.
Mais dans ce cas-là, je me prends un marqueur de danger sur la fiche de mon véhicule. Voilà, donc actuellement je suis en vitesse 2 et j'ai pris un jeton de danger. Et je place le véhicule au bout de mon gabarit. C'est pas plus compliqué que ça. Le truc, c'est que c'est maintenant à l'équipe de Vernet de jouer, donc le Monster Truck. Et lui, il se dit, oh voilà, c'est l'occasion qui fait le larron. Ce que je fais dans ces cas-là, parfois, c'est que je mets un dé ou quelque chose pour indiquer la face avant du véhicule. Je viens placer le gabarit. Et je viens replacer le véhicule comme il était. Voilà. À ce moment-là, le Monster Truck, il se dit, ben moi, je vais peut-être lancer les dés quand même, parce que plus je vais vite, plus je vais faire mal. Je vais prendre mon panier à dés. Donc, il a lui aussi, évidemment, droit à son bonus qui est déjà sur le gabarit. Et il a 3 de manœuvrabilité. Donc, c'est comme s'il avait déjà lancé un dé qui est sur une face embrayage, et il lance encore ses 3 autres dés. Bon, il se dit, c'est pas ouf, mais ça tombe bien, encore une fois, pour l'exemple. Oui, j'ai pas donné le jeton premier joueur. Donc le jeton premier joueur, c'est stade d'épave ici. Je vais le donner donc à l'équipe sponsorisée par la Gérière. Donc il se dit, c'est pas fou. Parce que le 1, on l'a vu, c'est une rotation, mais ça donne du danger. Le 1, c'est un danger. Le 2, c'est une rotation et un danger. Je pourrais tout annuler, mais dans ce cas, je vais pas changer de vitesse. C'est-à-dire que je pourrais utiliser le 6 pour annuler le danger, le 5 pour annuler la rotation. Mais dans ce cas, il ne me reste plus rien pour changer de vitesse. Je décide de tenter le coup. Donc tenter le coup, ça veut dire que je me prends un token de danger sur la fiche de mon véhicule et que je peux relancer les dés que je décide de relancer. Donc voilà, celui-ci je vais plutôt le garder et je vais relancer ces deux-ci. Et c'est pire. Bon bah là c'est vraiment pas de bol. Quoique, le dérapage pourrait pas le faire puisqu'il est au-delà du gabarit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout prendre. Je vais utiliser le 5 et le 6 parce que c'est risqué de faire ça. Je pourrais passer deux vitesses d'un coup et me prendre du coup 4 jetons de danger, ce qui me ferait monter à 5. Je vais pas faire ça. Je vais utiliser le 5 et le 6 pour changer de vitesse sans me prendre de jetons de danger. Donc je suis en deuxième avec un jeton de danger, celui de tout à l'heure. Et ensuite il me reste ces deux dés là. Je ne peux de toute façon pas cumuler les dérapages, hein, mais je cumule par contre les jetons de danger. Donc je me prends 2 jetons de danger pour le dérapage que je ne pourrais de toute façon pas faire. Donc je suis à 3 jetons de danger. Mon véhicule va se déplacer le long du gabarit jusqu'à ce qu'il soit interrompu. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais... Et mon véhicule va se retrouver ici. Et c'est un impact latéral. Dans le cas d'un impact latéral, on va juste tenir compte de la vitesse de mon véhicule, le véhicule actif. Donc moi, je vais décider d'attaquer. Une fois que j'ai décidé si j'attaquais ou si je défendais, l'autre joueur décide s'il attaque ou s'il défend. Bon, dans ce cas-là, on va dire qu'il va défendre. Bon, déjà, avant de calculer l'impact, tous les véhicules qui sont impliqués dans une collision, ils se prennent normalement 2 jetons de danger. Sauf dans le cas où les deux véhicules jouent l'esquive. Ça peut arriver si c'est les deux joueurs d'une même équipe. Donc ici, c'est pas le cas. Surtout que j'ai décidé d'attaquer. Donc normalement, les deux véhicules-là devraient se prendre 2 jetons de danger. Sauf que le Monster Truck en rouge ne s'en prend pas puisqu'il a eu la collision du côté de son bélier et que la capacité du bélier, c'est entre autres de ne pas se prendre 2 jetons de danger quand on a un impact de ce côté-là. Et en plus, il a la capacité cogneur qui fait que l'adversaire se prend un jeton de danger supplémentaire. Donc c'est le fourgon qui s'en prend 3, donc il monte déjà à 4. Voilà, ensuite on va calculer les dégâts. Comme je suis en vitesse 2, je vais lancer 2 dés. Comme je suis un poids lourd, donc j'ai une classe de poids supérieure au fourgon, je vais lancer 2 dés supplémentaires. Et comme j'ai un bélier, je vais encore lancer 2 dés supplémentaires, ce qui fait que je lance 6 dés. Je fais une touche avec 4, 5 ou 6, en sachant que le 6 est critique et qu'il compte double. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. 5 c'est une touche, ça fait 2, 4, 6 touches. C'est plutôt pas mal. Le fourgon a le droit d'esquiver. Comme il est en vitesse 2, il lance 2 dés. Par contre, il n'y a que les 6 qui peuvent annuler un dégât.
Il n'annule rien du tout, donc il se prend 6 touches. Actuellement, il lui reste 4 points de vie. Il en avait 10 au départ, ça peut aller vite. Ensuite, eh ben, c'est le tour de, on va dire, de l'équipe Mishkin, de l'équipe noire. Donc elle pourrait jouer soit la Batmobile, soit celle que j'ai appelée la Nitrocar qui est là. La Nitrocar est un petit peu coincée. La Batmobile, elle a la capacité de pouvoir se déplacer avec ce gabarit-là à toutes les vitesses. Donc normalement, c'est accessible qu'en 5e et 6e. Sauf qu'elle, elle peut l'utiliser même en première. C'est dû à son moteur nucléaire. Le truc, c'est que si je fais ça, et que je mets peut-être un dérapage au bout, si j'y arrive, je vais pas être en très très bonne posture. On va peut-être pas jouer à ça pour le moment. On va se contenter une fois encore. De ce gabarit-là. En essayant de choper, pourquoi pas, un dérapage. Donc la Batmobile, elle, par contre, elle a 3 de maniabilité et elle a toujours le bonus qui est lié au gabarit en vitesse 1. Ok, j'ai eu une rotation, par contre, j'ai pas eu de dérapage. L'embrayage, je vais le garder. Est-ce que je prends le risque de me prendre un danger pour relancer des rotations ? Pourquoi pas? Écoutez, on va faire ça, de toute façon on est là pour le jeu. Donc je me prends un jeton de danger pour relancer ces 2 dés-ci. J'ai refait la même chose. Donc, j'ai quand même envie de passer en 2e, sinon je vais être bloqué, ce serait quand même dommage. Donc j'utilise ces 2 phases de dés pour passer en 2e, sans me prendre de jeton de danger du coup. Par contre, je me prends 2 jetons de danger et j'ai droit à une rotation. Elle ne se cumule pas, les rotations, c'est une capacité spéciale qui fait partie d'une autre équipe. En gros, hein, mais, en tout cas, eux ne l'ont pas, ou en tout cas, je ne l'aurais pas mis. Donc, le véhicule se déplace au bout du gabarit. Et une fois au bout, il peut pivoter jusqu'à 90 degrés à partir de son centre de rotation. Ce qui fait qu'en fait, au final, la rotation, c'est pas si mal dans son cas. Là, on voit que le véhicule est plutôt bien mis pour passer la ligne. Voilà, voilà. Alors là, c'est de nouveau à l'équipe Vernet, sauf qu'il n'a plus de véhicule à activer. Donc, on revient sur l'équipe de la Géolière, qui va devoir jouer un de ses véhicules jaunes, et qui se dit, tiens, je peux peut-être tenter un truc un peu dingo. Ce véhicule-là est équipé d'un turbo. Donc, il peut... Dès le début de son tour, avant de lancer les dés, utiliser ce gabarit-là. Il pourrait. Le truc, c'est qu'il est toujours en vitesse 1. Et qu'après ça, il doit faire encore une phase de mouvement normale. C'est peut-être pas une grande idée de commencer par ça tout de suite. Alors normalement, le gabarit qu'on a touché, on est censé le jouer, machin. Bon, là, on est quand même là pour expliquer les règles, mais... Bah, il va pas faire de folie, il va simplement jouer là aussi avec le gabarit droit moyen. Il a 3 de maniabilité, en sachant encore une fois qu'il a un dé de bonus dû à son embrayage, à son gabarit. Alors, il a fait un 2e embrayage, un danger et une rotation. Et bah, lui aussi, il va choisir de se prendre un jeton de danger pour relancer 2 dés. Il a eu un 3e embrayage et une rotation. Donc il peut passer en 2e sans prendre de danger. Et ensuite, il peut utiliser ce dé-ci pour retirer le jeton de danger qui s'est pris quand il a décidé de jouer le coup et de relancer ses dés. Mais il va devoir le remettre pour jouer la rotation. Donc il reste un jeton de danger. Et il a maintenant droit à sa rotation. Se réorienter un petit peu comme ça, histoire de pas taper dans le mur, voilà. Et c'est tout pour lui. C'est maintenant au véhicule de l'équipe Mishkin de jouer, donc la Nitrocar, qui n'est pas non plus en très très bonne posture, c'est vraiment un embouteillage, c'est un peu foufou là. Qui là aussi va juste se contenter d'un gabarit droit et d'avancer. Par contre, elle, Nitrocar... Non, toujours 3 dés de maniabilité avec un dé de bonus. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je peux passer
directement en deuxième sans prendre de danger. Et je vais simplement annuler la rotation. Je ne vais pas prendre la rotation. Voilà, le seul véhicule encore activable à cette phase de vitesse, c'est donc celui-ci, hein, celui que j'ai appelé Dakar, Dakar explosif, qui n'est pas en très très bonne situation non plus, parce que s'il avance, il va rentrer dans le cul du Monster Truck. Il va devoir tenter d'esquiver un petit peu. S'il joue léger, il va rentrer dans le véhicule qui est là. Et ils se disent qu'il pourrait être intéressant. C'est que je fasse demi-tour et que je tente de passer dans le sens inverse pour faire chier les autres. Donc, il va plutôt tenter de reculer. Donc, ça change rien, même en marche arrière. Donc, j'ai un dé lié au bonus de mon gabarit et toujours 3 dés de maniabilité. J'ai fait que des embrayages. Comme par hasard, je voulais une rotation, c'est pas très grave. Je vais donc passer en deuxième sans prendre de jetons de danger et en troisième sans prendre de jetons de danger. Et voilà, donc là, tous les véhicules en phase de vitesse 1 ont été activés. On passe à la phase de vitesse 2. Tous les véhicules qui sont au moins en vitesse 2, repasse donc au vert. C'est-à-dire tout le monde. Et donc là, le joueur 1, c'est celui qui joue la géolière, donc les véhicules jaunes. Donc il se dit, ben là, je pourrais peut-être réactiver ce véhicule-là directement, essayer de le remettre dans l'angle pour aller faire chier les autres après. Je suis en vitesse 3. Ce virage modéré pourrait être sympa. Il n'y a pas de bonus dessus, mais c'est pas très grave. Je lance mes 3 dés de maniabilité. Il n'y aura rien de plus, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de bonus. C'est pas fou. J'ai pris un danger et une rotation. Pardon. Je vais garder l'embrayage. Je vais prendre un jeton de danger pour relancer ces 2 dés. Voilà, que des embrayages. C'est pas si mal. Est-ce que je passe encore de vitesse en sachant qu'elle est déjà en vitesse 3 et qu'après ça va m'embêter pour tourner? Mais là je serai déjà dans un bon angle. Écoutez, oui, je vais utiliser ces 2 dés pour passer en vitesse 4 et celui-ci pour me retirer mon jeton de danger. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de mur s'il n'y a pas de mur en physique. Enfin... L'idée là, ça va vraiment être de foncer par là. Donc ce véhicule-là a joué, je retourne son jeton qui passe donc au rouge. Alors quand on commence, ça aussi c'est important, notre tour et qu'on est déjà en contact avec un obstacle, ou un adversaire par exemple, on ignore l'adversaire. Donc je peux placer mon gabarit en ignorant le véhicule jaune. Donc je vais une fois encore placer juste un dé pour indiquer la position du véhicule jaune. Je vais retirer la ligne. Voilà, donc le dé c'est sa face avant. Je suis en vitesse 2, je peux jouer le virage léger en ignorant donc bon, il était ici. J'aurais peut-être pu tourner un petit peu plus, c'est pas très grave. Donc comme je ne suis qu'en vitesse 2, j'ai toujours accès à mon petit bonus qui est sur le gabarit. Et j'ai 3 de maniabilité. Bon, encore une fois, c'est pas ouf. J'ai la rotation qui est quand même pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler le danger. Ici. Je vais passer en troisième. Et je vais garder la rotation. Donc je prends 2 jetons de danger. Donc je suis actuellement en troisième avec 5 jetons de danger. J'ai maintenant droit à ma rotation. Et je dois dire que je m'en sors plutôt bien. Alors, dès que celui qui a le jeton pole position aura passé cette ligne-là, il va devoir donner son jeton pole position à une autre équipe.
et celui qui passe la ligne active ses armes. Maintenant, c'est donc à l'équipe Mishkin. Donc, comme je l'ai dit, la Batmobile, elle peut utiliser ce gabarit-là comme si c'était un gabarit tout à fait normal. Donc, l'objectif maintenant, c'est la porte 2 qui se trouve par là. Elle a 3 de maniabilité et n'a aucun bonus avec ce gabarit. Donc, je vais me mettre ici dans le gabarit comme ça. Bon, vous ne voyez pas les dés, tant pis, je vous dirai. Alors, j'ai fait une rotation, un dérapage et un embrayage. Combien j'ai de jetons de danger pour le moment? J'en ai 3. Tout m'intéresse en fait. Je pourrais très bien prendre 3 jetons de danger pour faire le dérapage plus la rotation pour bien me réorienter. Sauf que dans ce cas-là, je ferai une perte de contrôle. Ce qui peut être très dangereux quand on a un moteur nucléaire. Donc je ne vais pas faire ça. Je vais prendre un jeton de danger pour garder ce dé-ci et je vais relancer les 2 autres. Et c'est pas mieux, j'ai eu 2 rotations. Même si je peux en faire qu'une, je prends quand même les jetons de danger. Je crois que la solution ici, ça va être de ne pas changer de vitesse. C'est quand même handicapant. Mais je vais pouvoir rechanger de vitesse en utilisant les votes du public. Peut-être. Peut-être. Donc. Je ne peux pas monter à 6 jetons de danger maintenant, donc je suis obligé d'utiliser cette face-ci pour annuler une rotation. Et donc avec la deuxième rotation, je prends un jeton de danger et je monte à 5. Et j'ai droit à ma rotation. Le problème, c'est que c'est 90 degrés max. Donc genre comme ça. Est-ce que je peux toucher, je ne crois pas, le Monster Truck avec mon revolver? La réponse est non. J'aurais dû garder le dérapage et la rotation. Enfin non, j'aurais eu les 6 jetons de danger. Parce qu'en fait, cette équipe-là, si elle est la première à faire usage d'une arme dont personne n'a encore fait usage lors de cette partie, elle gagne un vote du public. Et comme ils sont les seuls à disposer des armes électriques, ils sont à peu près sûrs d'en gagner rien qu'avec ça. Mais dans ce cas-ci, vu que personne n'a encore utilisé d'arme du tout, je pourrais utiliser simplement le revolver pour gagner un vote du public, sauf que là, j'ai personne à porter. Et ça, c'est ballot. Enfin bref, la Batmobile a joué. C'est donc maintenant à l'équipe de la Géolière qui va jouer cette voiture-là. Est-ce que je vais venir me positionner devant le Monster Truck? Je pourrais même tenter de lui foncer dessus. C'est des véhicules, je les ai appelés terroristes parce que c'est un petit peu des suicidaires en fait. Et la capacité de ce véhicule-là, c'est que en cas d'épronage, elle se rajoute un dé d'attaque pour chaque jeton danger qu'elle aurait sur elle. Là, pour l'instant, elle n'en a qu'un. Je pourrais choisir de foncer directement sur le Monster Truck. De toute façon, on est là pour les règles encore une fois. Sauf qu'en vitesse 2, j'ai un avantage. Bon, c'est pas très grave. J'aurais pu prendre un autre gabarit qui me donne pas ce dé d'avantage. C'est pas très grave. Donc j'ai déjà ce dé de bonus. On le voit pas. J'ai toujours 3 de maniabilité. Ok. Eh ben, faut pas que j'en prenne trop non plus. Je peux m'en prendre 4 au max. Ça va aller. Je peux, j'ai combien de vitesse au maximum, moi? 5. Et je suis en deuxième, donc je peux encore prendre 3 vitesses. Eh ben écoutez, je prends une, deux, trois vitesses. Je passe en cinquième, donc je prends 3 jetons de danger. Je me prends un jeton de danger supplémentaire pour la rotation. Donc là, je viens percuter le Monster Truck. Ce qui fait qu'à cause de sa capacité de cogneur, enfin ça dépend s'il choisit l'attaque ou la défense, mais moi dans mon cas je choisis l'attaque et lui il va choisir l'attaque aussi, hein. De toute façon il n'a pas de raison de défendre. Donc je me prends 3 jetons de danger supplémentaires, ce qui fait que je suis à 8. Donc je vais lancer 8 dés pour les 8 jetons de danger plus 5 parce que je suis en vitesse 5.
Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 touches. Et 10 touches, c'est monstrueux. Hein. De toute façon, il n'a pas joué l'esquive, le Monster Truck, donc il peut pas esquiver, il se prend les 10 touches. J'avoue que c'est assez abusé, ça, comme lancer de dés. Est-ce que j'avais le droit d'utiliser les jetons de danger que je me suis pris suite à l'impact? Donc il y en avait 3 de plus, je suis pas sûr, mais bon, c'est pas très grave. C'est pour tester. Maintenant, le Monster Truck qui va attaquer. Ben lui aussi, ça va dépendre de sa vitesse, donc il est en vitesse 3. Ah, il s'est pris 2 jetons de danger aussi, hein, par contre. Parce que c'était pas du côté de son bélier, ce qui fait qu'il va subir aussi une perte de contrôle. Donc il en a 3 parce qu'il est en vitesse 3, plus 2 parce que c'est un poids lourd. Et il fait 2 touches. Donc celui-là, il s'en prend 2. Il reste 6 points de vie pour celle-ci et 2 pour le Monster Truck. Mais c'est pas tout. Maintenant, c'est d'abord moi. C'est le véhicule actif qui va subir sa perte de contrôle. Et ça risque d'être compliqué. Je vais faire un test pour voir si je fais des tonneaux. Si je fais moins que ma vitesse actuelle, je fais des tonneaux. Je suis en vitesse 5. Donc, je fais des tonneaux. Ça veut dire que je me prends 2 points de dégâts supplémentaires. Il me reste 4 points de vie. Et j'avance d'un déplacement moyen en ignorant l'adversaire. Je passe au-dessus. Et on a une deuxième fenêtre de collision. Donc en gros, je vais indiquer la position du Monster Truck. Je vais mettre une roue, un dé à la position de sa roue arrière droite. Moi j'avance ici. Donc ça va être détruit puisque je vais me retrouver dedans. Bon, voilà, j'ai détruit une barrière. Le truc, c'est que la barrière, c'est un obstacle léger. Mais on considère qu'il m'attaque en frontal. Donc comme je suis en vitesse 5, toujours, hein, on le voit, hein, donc là on fait le test de perte de contrôle. En cas où on fait des tonneaux, on subit les 2 points de dégâts. Ensuite on a une fenêtre de collision et ensuite seulement on cale et on rétrograde. Donc je suis en vitesse 5 et je viens de toucher une barrière en plastique. On va dire que le plastique... Je sais pas, c'est de poids léger, moyen. Normalement, c'est des gros trucs qui sont quand même remplis d'eau, mais long. Bon, là, on va se dire que c'est plutôt léger, donc il y aura un malus de 1 dé d'attaque, puisque c'est une classe plus léger que moi. Je suis moi-même en moyen. Donc la barrière m'attaque non pas avec 5 dés, mais avec 4. Fait 4 touches, ça commence à piquer. Comme je suis en vitesse 5, j'ai le droit de lancer 5 dés d'esquive. Toujours. Ah, sur les 5 touches, je peux quand même en annuler 2. Donc j'en prends quand même 3. J'ai plus qu'un point de vie. Maintenant, je cale, donc je reviens en vitesse 1. Je me retire tous mes jetons de danger. Et un adversaire peut réorienter mon véhicule dans la direction de son choix. On va dire comme ça, vers des tonneaux explosifs, pourquoi pas. Ensuite, on a la perte de contrôle du Monster Truck. Pareil, il va lancer un dé pour voir s'il fait des tonneaux. Il est en vitesse 3, donc s'il fait 1 ou 2, il fait des tonneaux. Il ne fait pas de tonneaux. Par contre, il va revenir en vitesse 1. Il va perdre tous ses jetons de danger. Et il va être réorienté par un autre adversaire, l'adversaire à sa gauche. Dans ce cas-là, on ne peut pas le faire réorienter par le joueur de l'équipe jaune, hein, ce serait un petit peu... Mais bon, donc il va être lui aussi réorienté par là. C'est maintenant au tour de l'équipe Miskine, donc l'équipe noire, de jouer avec la Nitrocar qui est là, qui n'est toujours pas dans une situation évidente, évidente. Elle est en vitesse 2. Elle peut, à mon avis, tenter le virage modéré. On va essayer ça. Ouais. Elle risque de rentrer dans le Monster Truck, mais c'est pas grave, on va quand même jouer le jeu. Vitesse 2, pas de bonus. Maniabilité, je suis toujours à 3. Ok.
Donc vous ne voyez pas, mais voilà, j'ai fait dérapage, embrayage et danger. Je vais donc me prendre un jeton de danger pour relancer ces deux-ci. Et c'est encore pire, parce que là c'est du dérapage et je ne peux pas l'annuler. Donc on va voir ce qui se passe. Bon, dans tous les cas, j'aurais bien aimé passer en vitesse 3 pour rejouer après, mais alors ça me ferait prendre 3 jetons de danger et je risque de me prendre des obstacles. Donc je ne vais pas pouvoir passer en vitesse 3, je vais annuler un dérapage. Et du coup, je m'en prends quand même, hein. J'ai pas le choix, je me prends donc un jeton de danger. Donc moi, j'espérais simplement passer, venir me faufiler par ici, et bien non. Je viens placer le gabarit ici, le véhicule avance le long de son gabarit normalement. Une fois arrivé à ce que la flèche touche la moitié du véhicule, je me décale jusqu'à rencontrer un obstacle. Donc, voilà. Je suis donc contre un mur de béton, et on avait dit que c'était du classe lourde. Donc je suis actuellement en vitesse 2, mais je rencontre un obstacle qui est une classe plus lourde que moi, donc il a 2 dés de bonus. Donc le mur m'attaque. Il fait 4 touches, donc 2, 3 et 4. Comme je suis en vitesse 2, je peux toujours tenter de me défendre. J'évite une touche, donc j'en prends 3. Et j'ai joué. Avec tout ça, personne n'a encore passé la ligne d'arrivée, du coup, enfin la ligne de la porte 1, à part la Batmobile. Du coup, on n'a pas encore d'armes utilisables, à part pour la Batmobile, même qui n'est pas vraiment en situation de tirer. Il ne me reste plus qu'un véhicule à jouer en phase de vitesse 2. C'est la camionnette qui n'a pas joué. La fourgonnette là, qui n'est pas en situation non plus, c'est pas ouf, hein, la Monster Truck juste devant, ça va être très compliqué, je suis en vitesse 2, la déviation ce sera clairement pas suffisant, je vais devoir jouer ce virage là, je vais pas le poser, on sait que je vais lui rentrer dedans de toute façon, même s'il y a le dérapage, je lui rentrerai dedans avant d'arriver au dérapage, c'est juste qu'en vitesse 2 j'ai toujours mon bonus d'embrayage, donc j'ai déjà ça. Plus mes 3 dés de maniabilité. Est-ce que je passe en troisième? Ce serait quand même intéressant. Actuellement, j'ai 4 jetons de danger. Si je me prends 2 jetons de danger, je perds le contrôle. Donc j'ai pas trop le choix en fait. Je suis obligé de tenter le coup. Donc je me prends un jeton de danger, je garde l'embrayage et je relance ces deux-ci. Zut, flûte, cacabouda. Bon. Eh ben, j'ai pas le choix. Si je veux pas perdre le contrôle tout de suite, j'utilise un embrayage pour annuler la rotation et j'utilise l'autre embrayage pour annuler le dérapage. Et je ne change pas de vitesse. Donc, ben, je lui rentre dedans, hein, comme ça. On l'a dit tout à l'heure, le coin s'est considéré comme si j'attaquais sur le flanc. Lui, il n'a plus que 2 points de vie, le Monster Truck, donc il va plutôt jouer l'esquive. Mais moi, je vais jouer l'attaque. Même si je suis en vitesse... Ouais, enfin, c'est un peu con. Non. En fait, lui, il joue l'esquive parce qu'il n'a plus que 2 points de vie. Il n'a pas le choix. S'il se prend ne serait-ce que 2 dégâts, bah, il explose. Et le fourgon, il a 5 points de danger. Ouais, mais quoi qu'il arrive, il perd le contrôle. Autant attaquer. Mais j'allais dire, le truc, c'est que s'il attaque, il est en vitesse 2, donc il a 2 dés d'attaque, sauf qu'il a un malus de 2 dés, puisque le véhicule en face est un poids lourd. Ce qui fait qu'il ne peut de toute façon pas attaquer. Mais si je joue l'attaque, je mets 2 jetons de danger sur le Monster Truck. Mais il n'en a pas pour le moment, donc c'est pas ultra intéressant. Et aussi, le fourgon, il n'a plus que 4 points de vie. Non, le fourgon va jouer l'esquive aussi. Donc, ils se prennent tous les deux un jeton de danger. Et vu que les deux font l'esquive, ben, y a pas de lancer de dés, il ne va rien se passer du tout, personne ne va perdre de points de carrosserie, c'est aussi simple que ça. Le truc, c'est que je vais quand même subir une perte de contrôle. On l'a vu tout à l'heure, je suis en vitesse 2, donc si je fais 1, je fais des tonneaux. Ok, donc pas de tonneaux. Par contre, je reviens en vitesse 1, je perds tous mes jetons de danger, et je suis réorienté par un autre joueur, mais qui ne peut pas me remettre en contact avec le même obstacle. Donc on va le mettre comme ça. Voilà. On avance quand même difficilement. Faut dire que c'était un circuit déjà assez complexe. Donc lui, fourgon blindé, il a joué.
On passe maintenant en phase de vitesse 3, et c'est là que ça va devenir intéressant, puisque Dakar explosif, donc celui qui est là, qui est en vitesse 4, est éligible, et c'est tout. Les autres ont soit rétrogradé, soit n'ont pas su passer la troisième. Donc pour ce tour-ci, le seul qui joue, eh bien ça va être lui. Et qui se dit, donc bah là, je vais simplement jouer pour aller tout droit. J'ai un bonus en plus, encore en quatrième, j'ai toujours mon bonus, donc ça je le garde et je lance mes 3 dés de manœuvre. J'ai fait que des embrayages, donc si je veux, je passe en sixième. Tous les véhicules éligibles à la vitesse 3 viennent de jouer. On passe maintenant aux véhicules éligibles à la vitesse 4. Et encore une fois, donc, il n'y a que lui. Maintenant qu'il est en vitesse 5, il peut carrément jouer avec le long gabarit. Bon, il n'a plus de bonus avec, mais c'est pas très grave. Il lance ses 3 dés de manœuvre. Encore une fois, que des embrayages. Oui, c'est rien en faire de toute façon, donc c'est juste perdu. Hein. J'ai pas touché la Batmobile. Donc je suis toujours à la bonne portée pour utiliser, pourquoi pas, mon revolver qui a une portée médium. Alors c'est peut-être pas la peine de positionner un gabarit, hein, c'est clair que je le touche. Le revolver, c'est portée médium à 360 degrés tout autour du véhicule. Comme j'ai deux membres d'équipage, je peux attaquer deux fois avec le pistolet. Ah, mais j'ai aussi des grenades qui ont une portée médium. Bah écoutez, je vais lancer. J'ai trois membres d'équipage. Donc je peux attaquer deux fois avec le pistolet et lancer une grenade. Je vais commencer par lancer une grenade. Donc c'est 1d6. Par contre, ça a la règle impact et indirect. Bon, indirect, on s'en fout, c'est juste que ça passe au-dessus des lignes de vue. Si jamais il y a un obstacle devant nous, on tire en cloche. Mais là, je le touche de toute façon. Et impact, ça veut dire que pour chaque dégât que je lui fais non annulé, il va se prendre aussi un jeton de danger. Donc je lance une grenade, je lance le dé. Bon, là, j'ai fait 3. Donc, c'est raté. Je perds un jeton de munitions. Ensuite, je vais attaquer deux fois avec mon revolver. Pareil, c'est un seul dé. Je lance les 2 dés du coup, puisque je le fais deux fois. Par contre, j'ai fait un 6. Donc là, je fais quand même... j'ai fait 4 et 6. Donc, je fais 3 touches. La Batmobile qui est en vitesse 2. Je peux lancer 2 dés pour essayer d'esquiver. Elle en esquive une, donc elle s'en prend quand même 2. C'était la phase de vitesse 5, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est terminé. On repasse donc en phase de vitesse 1. Et là, tous les véhicules sont forcément activables à cette phase de vitesse. Et je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, je pense qu'on a déjà vu quand même pas mal de trucs. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on refera peut-être une vidéo prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !